pas le choix de toute façon. Bon, je mets par défaut. Je mets par défaut et t'as des soucis, c'est normal. Ça sera bien. Salut Demi, je t'écoute, c'est The Last of Us, c'est énorme. Ouais, j'ai vu aussi ça. En fait, de temps en temps, j'ai envie qu'on se fasse un petit jeu, un petit kiff, tu vois. On a eu Until Dawn. C'est parti. Life is Strange est un jeu permettant aux joueurs d'influencer l'histoire. Toutes vos actions et décisions pourront avoir un impact sur le passé, présent et futur. Choisissez bien. Je sais pas si la manette est branchée. Alors ça, c'est... sinon, ça va être terrible. Si elle n'est pas branchée, ça va être... Je baisse. Attendez, j'ai une idée de malade. Genre, j'ai une idée qui va être un tout petit peu chiante. Mais genre, vraiment ça chiante. Mais qui ensuite va tellement apporter que je suis obligé de le faire. Alors, deux secondes. Ça prend juste deux secondes. Et vous allez voir qu'après, vous allez kiffer. Et vous allez plus jamais m'en vouloir d'avoir fait ça. Ok. Et ça, c'est... Fuck. Attendez, deux secondes. Si je fais ça. Tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi. Eh ouais, mon frérot, en VF, il n'y a pas de VF. Mais tu lis. On est en 2018 quand même. On est capable de lire. Alors, je devais juste baisser rapidement. Et ça va être bien. Hop, on baisse un peu. Ça, on le fout. Comme ça. Et on est bon. Et là, je crois que je suis bon. Je crois que là... non, ça, il faut pas. Attendez, là c'est juste un peu le moment chiant. Vous avez le droit à tous les moments chiants en fait. Ça, l'avantage quand tu viens tôt sur un live, c'est que tu vis les coulisses, tu es réalisateur, mais tu vois l'artiste. Et là tu te dis que le mec c'est quand même un sacré artiste. Lisez l'histoire. Bah ouais, c'est le but. Hop, je fous ça là. Et on est de retour. Ok, c'est bon. Là, c'est moi qui joue. Alors. Bon, du coup, j'ai l'impression d'être elle. Il faut aller en haut. Allons-y. Jusqu'à présent, tout le monde peut. Ultra fier. C'est encore trop fort, là ? Après, c'est le souci des jeux, c'est qu'il y a une barre à 100. Mais en fait, faut pas dépasser les 4. C'est un petit cran, si vous voulez. Trust no one. La tempête, quoi. Il y a un banc. Je vais essayer un petit peu. Pardon. Je suis en plein écran, du coup, le alt tab, il le vit mal. C'est bon. C'est cool. Holy shit! So surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Diane Arbus. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Mm-hmm. You go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces.
You feel like totally. I can't believe I still have this pencil case. Oh, c'est un petit chat. I should upgrade to the 21st century. I do love my analog camera. Okay. I should take a quick picture. I haven't kept up with my journal as much as I should. If anybody else looked at this, what would they think? Alors, donc on découvre un peu. Donc ça a l'air d'être son journal intime. Je suis accepté à l'académie Blackwell. Si les mots pouvaient danser, cette page serait un rave. Ok, donc 2013, elle est contente d'être à Blackwell. Ça y est, aujourd'hui, je quitte Seattle pour Arcadia Bay. D'habitude, on quitte sa ville natale pour aller à l'université. Moi, j'y retourne pour faire mes études. De tous les programmes de photographie du monde, j'ai choisi le plus petit. Ce qui me force à revenir dans la ville que je rêvais de quitter. Peut-être que j'avais secrètement envie de revenir pour voir... Attends, mais en fait, faut que je lise tout. Attendez, on va lire. Parce que... Attendez, parce que si je comprends pas... Alors... je sais pas de quoi je parle, je suis jamais allé dans une... Ok. Je pensais que je serais... Pas que je serais si emballé, j'ai grandi dans cette ville, mais quand j'ai reçu la nouvelle du bureau des bourses, mon cœur a accéléré. Je pensais que la lettre dirait désolé, je vois encore. Une minute s'est écoulée avant que je le lise en entier, je voulais chier à mon ignorance encore un instant. C'est là que j'ai vu le premier mot, félicitations. Oh, elle a l'air mignonne, elle a l'air genre heureuse de vivre. Ma mère s'est mise à pleurer, mon père a éclaté de rire, ils sont bizarres mais ils sont heureux. Ok, bon, elle va à Blackwell en gros. Ensuite, là du coup, je quitte Seattle pour Arcadia. Donc ça c'est un mois après. J'aurais rêvé qu'elle puisse venir avec nous à Seattle. Donc elle est amie avec Chloé. C'est vraiment une ville faite pour elle. Quand on joue aux pirates chez nous et dans les bois autour de la ville, on imaginait Seattle comme une île légendaire. Seattle n'avait rien à compte de fait. Maintenant l'académie Blackwell me semble l'endroit le plus exotique du monde. Étudier la photo avec Mark Jefferson. Ah donc c'est le mec avec qui on est. C'est le rêve. Enfin le prof quoi. Je vais rencontrer des étudiants de partout. Ça me changera de mon vieux lycée où je n'ai pas vraiment accroché avec les gens. Et encore moins avec les garçons. Ah elle était pas trop intégrée quoi. Finalement, peut-être que c'est Arcadia Bay que l'aventure m'attend. Oh, bah elle a kiffé 7 jours après. C'est la folie ici. Je n'avais pas réalisé combien de trucs j'avais accumulé avant de faire mes cartons. Mes parents sont un peu trop contents que je fasse enfin le tri, même si j'ai surpris ma mère en train de pleurer quand elle pliait mes t-shirts. C'est normal, c'est le départ. C'est dur ces moments-là. Elle s'en va. Je suis le seul à avoir jamais quasi lu les notes de Max. Ah, bah moi, je. Ah, bon, vous voyez pas derrière, mais je vous le lis. Ça me donne envie de pleurer, j'ai envie de revenir, de rester à Seattle pour toujours, j'ai envie de brûler tous mes vêtements, lui de faire mes valises et refaire ma garde-robe. Non pas que j'ai vraiment une garde-robe à faire, je connais plus personne là-bas à part Chloé, à quel point, qui sait à quel point on est différente. Je pourrais me faire une nouvelle coiffure, démente, mais elle est un peu folle quand même. Je vais avoir plein d'opportunités de faire exploser mon travail, quand j'y pense je suis terrifié, mais aussi super impatiente. 2 septembre. J'écris de ma chambre sur le campus après ma première journée à Blackwell. Je n'ai pas eu le temps d'écrire ou de prendre des photos depuis que je suis arrivé, j'ai des cartons partout. Ma chambre est un peu petite, mais à moi, j'ai hâte de la décorer. Je vais remplir tout un mur de photos, j'ai rencontré d'autres filles du dortoir, mais je suis nul avec les noms, donc je vais même pas essayer pour l'instant. Je peux quand même déjà me faire une idée de qui est sympa et qui ne l'est pas. C'est dur de s'habituer à une nouvelle école et s'intégrer dans la vie sociale après m'être fait de bons amis à Seattle. Mais je suis ici. Ah, en fait, elle était dans une petite ville, puis Seattle, et ensuite Seattle, elle est partie à Blackwell. Oh non ! Un jour plus tard, Blackwell craint. Je ne voulais pas me plaindre, mais bon, la journée avait bien commencé, j'avais passé une nuit sans rêve tellement j'avais hâte de commencer ma nouvelle vie. Ah, elle a l'air de faire des rêves comme ça tout le temps. Comme une débile, je n'arrivais pas à choisir ma tenue, alors j'ai mis ce qui traînait par terre. Je ne suis pas doué avec les noms, mais j'en ai retenu quelques-uns comme Kate Brooke, Taylor, Alyssa. Comment oublier Victoria Chase, riche, stylée, pourrie, gâtée. Dès qu'elle m'a vu, j'ai senti son regard du jugement. Ah, ça doit être la blonde qui a jeté le truc, 100%. Le regard du jugement détaillait mes pauvres fringues de casse comme si j'étais à Blackwell pour faire un défilé de mode. Peut-être que je suis à fleur de peau aujourd'hui. On dirait que Victoria se croit dans une émission de télé. Ok, donc là est-il. Toute une photo potentielle. Parlant de la photo. J'adore l'escalier de pierre et les murs en briques. Ok, donc c'est une artiste quoi. Putain, j'aime bien. Je suis pas du tout un artiste. Donc j'adore les gens artistiques. Elle me parle. Je suis une aventure. Oh, pardon, je comprenais pas. Bienvenue à Menesix. Merci beaucoup. Alors, je suis très facilement lisible. Nez, bouche, je peux tout comprendre. Mais c'est bizarre ce que tu me dis, gros, aussi, là. T'es en train de me dire que tu m'analyses. Laisse-moi stream tranquille. Hey, oh. J'ai d'autres choses à raconter, mais pardonne-moi, car je tombe de fatigue. Alors... Bon, elle a kiffé les cours avec Jefferson. J'ai des tonnes de devoirs, c'est abusé. On pourrait au moins avoir un jour pour s'habituer, mais sur un point positif, je me suis fait un ami. Ah, Warren Graham. C'est un vrai geek, il est bourré d'humour noir et de répartie. Il ramène un peu sa science, mais c'est vrai qu'il sait beaucoup de choses. On a parlé photo, il a même cité des artistes que je ne connaissais pas. On a échangé nos numéros, il pourrait être un bon partenaire d'études. Ah, oh, c'est cool, je pensais qu'à 18 ans, je pourrais enfin échapper au drama queen, et non. Oh, ok. Je dois faire des recherches sur des photographes célèbres pour mes devoirs. Mr. Jefferson nous a donné plein de trucs à lire, mais j'adore ce qu'on étudie. Je ferai pas ça tout le temps. Juste en gros, j'ai un peu envie de me mettre dedans au début pour voir juste un peu l'ambiance du truc. Et je lirai pas genre tout. Je suis pas le genre de joueur. Mais juste là, j'ai envie de comprendre un peu le délire quoi. C'est pas de faire jeune, elle dit ce qu'il pense. Mais elle est amoureuse du prof quoi. Je veux l'épouser, je déconne. Mais non. Ça c'est faux ça. Je suis une aventure. Bienvenue mon Lexou. J'ai du mal avec les devoirs. Je parie que les profs notent plus sévèrement pour éviter qu'on se prenne trop au sérieux. Victoria et sa corde de snob se prennent toujours pour les invités d'honneur. Nathan Prescott est la version mâle. Ils ont toujours des blases improbables aussi, hein, dans les écoles comme ça. Nathan Prescott.
joue au basket. Incroyable mais vrai, ça a une famille. Ok, c'est la famille la plus ancienne d'Arcadia Bay. Je me souviens d'avoir parlé quand j'étais petite. Ok. Donc en gros, Nathan, faut que ça soit notre pote, quoi. Je vous ferai envoyer, mais Nathan et Victoria sont membres du Vortex Club. Un stupide groupe élitiste qui organise des fêtes énormes et on les laisse faire ce qu'ils veulent. Vive la reine, vive le roi. Je veux pas critiquer tout le monde, j'aime bien Kate Marsh. Ok, Kate Marsh, elle est jolie et sympa, ça la rend plus belle que les poufs ici comme Victoria. Je me sens... Oh mais elle est pas cool non plus, hein. Enfin, on peut prendre des cours de photos. Ok, parlant de photos, Jefferson nous a parlé du concours Héros du quotidien. Il nous a tous invités à y participer. Le gagnant remportera un voyage à San Francisco et pas mal d'expositions médiatiques. Tout ce qu'il demande, c'est que chaque étudiant présente une photo. C'est pour ça que je rêvais d'aller à Blackwell et je flippe à mort de participer, évidemment. J'ai 2 semaines avant la date butoir en octobre, ce qui me donne plein de temps libre. 30 septembre, il n'y a plus qu'une semaine. Je sais pas si j'adore cet endroit ou le déteste. J'essaie de rattraper mon retard en sciences, mais j'ai pas grand chose à foutre en même temps. Heureusement, il y a Warren. Je le connerais bien pour qu'elle prenne ma place en cours. Alors, Madame Grant, elle est intéressante. Je fais de faire un effort de participation. Voyons combien de devoirs j'ai accumulé. Octobre, mon mois préféré, j'adore le temps, regarder les feuilles changer de couleur. Mais il fait encore trop chaud. Merci le réchauffement de la planète. Hop, ils en placent une. Pour sortir mon manteau, mes gros pulls ou les films d'horreur. Kate m'a prêté le pays d'octobre. J'ai pas lu grand chose. Ouais, rien à faire tirer. Oh, mais Chloé, ça date une bête d'Amiel. Enfin, à l'époque, quoi. Alors. Merde, je devais aller m'accrocher à une fête d'Halloween pour socialiser un peu. C'est soit ça, soit une de ces horribles soirées piscine avec tous ces hypocrites du Vortex Club. Ce serait comme nager avec des requins MDR Max. Au moins, j'essaierai de sortir de ma bulle. J'aurais pas... Oh, mais elle a l'air quand même assez... Oh, ok. Ah, donc Victoria, c'est elle. Kate. Ah, Kate, elle a l'air cool. C'est celle qui prend les coups. Oh, oui, putain, il y a tellement de détails sur chaque... Oh, c'est un délire. Ok, d'accord. Il y a des SMS. J'espère que tu ferais traiter 18 ans en beauté. Tu seras toujours notre petite fille. Regarde ton compte. Oh. Alors, tu veux qu'on se prenne un tête à l'heure? Oui, je suis libre. Ok, elle, c'est ma pote. Incroyable, déjà 18 ans. Regarde Nécromantique. Ah, mais Max, c'est elle! Ok, d'accord, c'est bon. And capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye. So, she could have taken another approach. I should take a picture to prove I'm still here. I'm not a big fan of her work. I prefer Robert... Shh, shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been selfie, popular quoi. Since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? L'origine des autoportraits. Vas-y, bah moi. Oh non, je I didn't know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Oh non, Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now ah, you're c'est... totally stuck in the retro zone. Sad face. Oh ouais, elle c'est la pute quoi. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces. Making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook, or even online. Okay. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bon, Max, c'est la petite, c'est le petit génie qui en fout pas trop quoi à l'école, en gros. C'est le petit génie qui ose pas trop quoi. Ah mais on peut fouiller les trucs des gens et tout. Oh. Doesn't waste a second kissing ass. Bah Victoria, on va direct checker là ce que tes trucs chelous toi. Even her school books are gift wrapped. Even her school books are gift wrapped. On peut pas les. I can't believe she made. Of course, Victoria. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Ah ouais, d'accord, elle achète des trucs chéros. Ok, bon, elle a...
C'est un appareil, quoi. Bon, on va pas trop non plus espionner. Ok, là, c'est du matériel photo. Ah, mais il y a genre... Oh. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Ok, d'accord. Gives me hope. C'est genre, ok, donc c'est un jeu où faut check un peu partout, quoi, en gros. Bon, matériel photo. Damn, they have carbon fiber tripods here. Ok, donc notre prof était archi chaud, quoi, en gros. Notre prof était donc assez bouillant. Oh, ça, c'est une photo du cours. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Je le trouve un peu overrated quand même. Hein. C'est une photo. C'est très lent au début. Ok, ok. Ouais, c'est pour se mettre dedans, quoi. Ensuite, ça. Je sais que moi, parfois, j'ai un peu de mal quand c'est trop lent. Je suis en mode bon, il se passe quoi. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Ouais, il a mis que des trucs de lui quand même, hein, le gars. Hein. Un peu narcissique, quoi. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. Oh, le forcing. I could pump out a whole gap. Obviously, Blackwell spent bank on the computer seat. Ok, ils ont looks des like téléphones somebody et tout. Was already working on this. Putain, c'est cool. Petite miniature. Ok, elle, c'est qui? C'est Kate, elle. Salut, Kate. Oh non, la boule de papier qui est à jeter. Now I wish je n'aurais I pas dû lire ça, on oublie. Dear Kate, we love your porn video. Oh, c'est vraiment une énorme... L'autre, c'est une énorme temple, quoi. Kate looks so sad and quiet today. Vas-y, on se parle. Oh. Hi, Max. Oh non, elle est triste. Tu es silencieuse aujourd'hui. Oh, il y a des choix, c'est vrai, c'était bien ça. Alors j'espère que je t'ai pas gênée ou tu es silencieuse aujourd'hui. Bon, de temps en temps, je serai devant, mais c'est pas grave. Vous lisez quand même la globalité, tu vois. On va à la cafette. On passe un petit moment ensemble. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Bon, elle est quand même Mimi, Kate, on l'aime bien. Marque gravée. Hmm, this might make a cool shot. Vas-y, petite photo. Tiens, voilà de l'or pour régler cette histoire. S'il y a trop, tu me ramènes. Mais moi, tu me payes le Uber pour énergie. Allez, on est parti. Alors là, à quel moment, genre, je peux check les photos que je prends? Rachel Amber Forever. Ok, donc là. Là, je peux prendre des photos, en gros, et ça les note ici. Ok, ça marche. Il y a Victoria et l'autre. On ira leur parler après. On regarde un peu ce qui se passe. The forest around here always looks mysterious. Ouais, je vais baisser un peu ma cam parce que j'avoue que ça doit vous gêner. Au moins, je vais partir comme ça. Et je vais me rétrécir. Comme ça, c'est peut-être mieux. Voilà, parce que sinon, je vais vous gêner pour les dialogues. Comme ça, je me mets dans mon coin. Hop, reprendre le jeu. Ok, bon. You can never escape the lighthouse here. Ah mais ça c'est le truc dans lequel on a rêvé. Ah ça c'est le truc du rêve où il y a le bateau qui a explosé avec la tempête et tout. Qu'on peut pas aller là. Hop. Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine. Attends, on va regarder Victoria. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Oh non, là, elle s'en bat les couilles hein, quand même hein, que tu. Every time I look at Victoria, I feel like. This is ridiculous. I always get so shy. This is ridiculous. On va lui parler un peu. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Voilà, une biche. Excuse you. No, Victoria. Voilà. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ah. Oh, mais putain, elle a pas fait de photo? Ça. Je comprends pas. Do I have to? Ah, parce que c'est carré, c'est pas X. Ok, d'accord. J'ai pas les mêmes trucs. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you. But life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images. To frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the age. Cool, il nous babysit. Ok, bon. Parce que j'étais pas sûr, j'ai appuyé sur le... Oh, j'aurais dû faire l'autre truc. Bon, c'est pas grave. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Est-ce que t'es un héros du quotidien, quoi? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy.
Faut être un héros du quotidien. Bon, salut à ceux qui arrivent, hein, j'essaie un peu de... On débute. Life is Strange. Welcome to the real world. Ah, oh, c'est Warren, lui. Ça doit être Mister... C'est pas Mister... Mrs. Green? Oh, lui, il se fait bully à gauche, là. I need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total... Merci, Tosha. Ok, bon. C'est parti. Et Max, elle a l'air quand même un peu chez père. Oh, il y a une ambiance cool. Mais t'as mis. Don't text and drive. Premier épisode. Alyssa. Alyssa, elle est en cours avec moi de photo. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of. Evan doesn't say much to me, but. Ok. Est-ce qu'ils font tous de la photo ou. Cool. Oh, c'est trop stylé, il y a de la musique. I love that picture of mom and dad. Hello, Jack. Trop bien. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous as usual. Okay. Qu'est-ce qu'elle fait, Stella? Stella is always deep in her notes. She didn't come to Blackwell to mess around. Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. Ok, ouais, ça doit parler de bully et compagnie, quoi. C'est Justin et Dana. Oh là, Dana, elle doit pas m'aimer. Hein. That's Dana talking to. I think his name is Justin. Dana is on my floor too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. Oh, mais elle a pas l'air méchante. They must make them in a factory. Ah, Brooke, ça va être une pote. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Oh non, ils sont en train de... Arrêtez de le bully. I hate bully jockstraps like Logan. Auntie's a... Poor Daniel, he's so nice. Ok, Logan, Logan, c'est un petit enculé et Daniel, il subit, quoi. Et lui, on sait pas qui c'est. La musique, elle me met au fond du trou. Oh, j'aime bien, moi. Je trouve ça cool. En fait, c'est juste un délire différent à stream. Parce que... It looks like she's been gone for months. Oh. Parce qu'en fait, faut beaucoup... La dernière fois. 22 avril 2013. Rachel Amber. Mais là, on est quand, là? Attends, on est quand exactement? Que je comprenne. 7 octobre. Ce sera sûrement la note la plus bizarre de mon journal. Je sais même pas par où commencer peut-être ce rêve. Ok, on est le 7 octobre, donc... ok. Parce qu'en fait, faut se laisser porter dans le jeu, je pense. C'est vrai que c'est particulier quand t'as pas l'habitude. Ça serait génial si tu mets de l'argent dans un sac de sucre dropped out. Don't need a PC. Missed the Poetry Jam tryouts, and I did not steal that backpack. That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. Okay, c'est la vie de recherche. Good thing I left my AK. Hey, elle est drôle, Maxou, en plus. La vanne et tout. Non, tu veux. Fait que tu pouvais déclencher l'alarme. Principal doesn't come out of his office much. Miss Grant is a great science teacher. Okay, elle aime pas les sciences, Max, mais elle aime bien. Rachel, attends, vu ça. Elle aime pas les sciences, mais elle aime bien. Elle aime bien la prof. How many students ever actually memorize all this shit? I guess we all should these days. There's the lighthouse again. Bon, le phare, ça va être un truc principal, quoi. Donc. On a vu la banderole. The Bigfoot stomp. I should develop some school spirit. Ouais, elle se met un peu à l'écart solo. He's cute. I like skater boys. Too bad they don't like me. Oh non, Trevor. Ouais, mais elle se met un peu dans une position de victime là quand même. C'est qui? Ah, c'est Zachary. Oh, je pensais que c'était Warren. Figures Juliet would be dating Zachary. There's Juliet from my dorm. Okay, ils sont tous dans le même dortoir, quoi. Oh, Sam, ça va être mon pote. God, Samuel is such a weirdo. But I bah ouais. Est-ce qu'on aime? On aime les weirdos. You can really learn a lot about a school by the weird shit posted on the board. Okay. J'avoue que j'ai jamais check d'épisode ou quoi, donc je sais pas du tout de quoi ça parle, en gros. Moi, je dis que c'était cool. Je lui dis, oh, ça a l'air cool. Gotta
give it up for those big foot. Bien conscient, il check chaque détail. Il me dit check des trucs. Moi au début je check. Ensuite je checkerai moins. Et vous allez me dire t'as pas check le quatrième tiroir. Je suis en mode désolé. On va aux toilettes, c'est ça qu'on cherche à faire. C'est bon. On se met dedans. Nobody can see my meltdown. Bien vu, Sylvia Vircos. Ouais, va dans les toilettes pour y avoir une meuf dedans. Il va forcément avoir une meuf. Rachel is a bitch. Now, who would bother to write that crap? Elle aurait peut-être dû juste. Petit Illuminati. Alarme à incendie. On déclenche. I remember when somebody punked the alarm last month. At least I got out of science class for that quiz. I'm good to flow. Thanks. Ok. Elle fait quoi? Elle voulait pas aller aux toilettes en mode. Elle veut aller là. Mais vous voulez pas aller craquer aux toilettes là? Ah, y a un miroir. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Allez, un petit peu d'eau sur le visage. Voilà. Il y a quelqu'un dans les chiottes. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. Hein? Elle était bien cette photo. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Tiens, voilà de l'or pour régler cette histoire. Il y a un papillon. Il y a un papillon dans des chiottes de lycée. On a pas été au même truc ou quoi? Je crois que de pas regarder le chat, ça peut casser l'immersion, sinon c'est excellent. Bon, ok. Whoa, where did that butterfly come from? Photo. It doesn't look like any kind I've ever seen before. The blue wings are practically glowing. I can almost feel the air moving around me. Il y aura rien sur la photo, non? The butterfly feels almost like a spirit. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Huh? Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! What, il l'a buté? Tout ça pour un 10 balles? Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in. I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. Je comprends. Hein. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, shit! Can you give me an example of a photographer? I cannot believe this. Capture the human condition in black and white. Okay, if I'm crazy, anybody? I might as well go all the way. Bueller. Diane. Can I actually reverse time? There you go, Victoria. Elle peut remonter le temps chaque fois. Maintenez LT enfoncé. Oh. Ah ouais, d'accord, tu peux remonter le temps. I did it.
Juste en tendant la main. Putain, la vache. Je m'étonne, les gens ont l'impression d'avoir des pouvoirs après. Ouais, moi. Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images. Keep it together, Max. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. Ok, vas-y, bon, on va retester, hein. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner. Petit selfie, il va nous faire un cours sur le selfie. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Oui. I know I'm not dreaming this. It's real. I can tell. The early 1800s. Your generation. So I can go back in time. Okay, that's all. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? I couldn't resist. The point can I save that her? The portraiture has always been a vital aspect of art and photography. For I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits. Ah, je me sens mal ou j'ai besoin d'aller aux toilettes là. Bah, c'est Daguerre en I'm plus. I'm sorry, I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody oh, here shit. Who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style, like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the right answer? Fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s. Okay, donc là en gros je peux retourner et je donne la bonne info quoi. Attends, c'est jusqu'où là? Un peu avant encore. Ok d'accord, faut revenir jusqu'au bout quoi. Now, Max. Oh, okay, d'accord. Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portrait? Okay, bon, je comprends un peu le truc là. Bah, le procédé Daguerre. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. Bon, mange. The Daguerrean process Clac. Made portraiture hugely popular. Mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. Okay, on y va. On va dans les toilettes. Guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. Okay, à chaque fois, I'll fly out with the winner to San Francisco, okay, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. Bon, pour l'instant, j'aime bien, ça nous met dedans, mais c'est vrai que c'est très... Together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. On sent que c'est plus un truc à message que tu donnes. Crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Non, pardon, c'était pas le but. Miss click. Mauvais bouton. OK, ça c'est pour accélérer. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Oh putain, j'avais oublié ça, mais il va avoir un mort. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Je ne m'enfuis pas. I'm not avoiding, just biding time, waiting for the elusive right moment. Est-ce que j'ai la photo du papillon? Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Okay. Don't let me stop you. Bon, allez, on va faire de la photo. Annuler sur appuyer sur LB pour remonter. Mais du coup, à chaque fois, je dois remonter dès qu'il me dit ça? Tu vois ce que je veux dire, ça que je comprends pas. Bah, je peux plus bouger. Victoria hasn't moved from that spot. I wish I could go talk to Mr. Jefferson about what's going on. But I can't. J'ai envie de... C'est toi qui décides. Ok. Yes, Victoria, you still have to do your homework this week. Even if you're submitting your... Excuse me. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse me. Ok, à chaque fois, tu vis le truc, tu prends l'info et tu le redis, quoi. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Ok, d'accord. Ouais, bon, là, ça te montre que tu Max, peux le faire. Ensuite, tu le fais ou tu le fais pas, là, c'est le tuto, all quoi. The right answers. Good. Ok, d'accord.
Make sure you finish working. Ok, là, c'est juste pour te montrer la capacité. Putain, c'est beaucoup de choix, hein, c'est bien. Il faut être focus, hein. Juste en dedans, ça prend pas focus sur les choses. Allez, on y va, on y va. Maintenez, arrêtez-vous, avancez plus vite. Oh, petite course. Mais en vrai, ils sont arrivés après, quoi, non? Ok, on entre. Ok, Max, retrace every step. I washed my face. Ah, c'est vrai qu'il faut pas faire d'effet papillon, quoi, en gros. Then the butterfly flew in. Faut le prendre en photo. And I took a photo. Voilà. Leave them out of this bitch. I can tell everybody. Nathan, comment on va arrêter la scène du coup? Who begs like a little girl and talks to himself. Faut que je dise que je suis là. Who the fuck I am or who you're messing around with? Where did you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Tell me what to do. Wowzer, I need a hammer to break it open. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Y a un marteau. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Holy shit, I can't let this happen. Oh non, mais elle est morte. If I can reverse time again, I can help her. Attends, mais elle est morte. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to... No way. Don't ever touch me again, freak. Tu peux remonter, mais à l'infini, en fait. Another shitty day. C'est un ouf, lui. That did not happen. Tu sois plus rapide. Ok, ok, bah ouais, là, je découvre le truc, quoi. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to casse use pas les the couilles, on a vécu des trucs, nous. Hein. Girls always use that excuse. Oui, Roberto. For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Oh. Or are you hiding something? Huh? Bah. Thank you, Mr. Mattson. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and ah, please turn off that alarm since that's your job. Allez, mange. Allez, mange, Pab. Voilà. Là, on est bien, là. Et je me dépêche devant le proviseur. Merci, monsieur. Merci, monsieur Wells. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my... Pas le meilleur moment pour la, dans l'alarme. Hein. Il faut se barrer parce que sinon on va craquer. Non, non, on n'a rien fait, on n'a rien fait. Ça va, ça va, ça ira mieux. Well, Max, talk to me. Je cache la vérité. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's just class. Just tell me what you're hiding. You can trust. Est-ce que je lui dis la vérité There's ou pas? Nothing to hide. C'est chaud I got parce sick. Qu'en gros ça, j'ai remonté le temps quoi donc il s'est rien it passé happens, quoi. You know? There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. Ah, mec, il était cool, you've only been rôle, here quoi. For 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Oh putain, pourquoi je lui ai parlé? Please. J'aurais pas dû lui parler. J'ai voulu être cool. No, he does not buy that at all. I may have just ah bah flushed je reviens en arrière, my scholarship down the toilet. Yes, I ah mais ça va rien changer si je reviens en arrière. Telling the truth. Non, non, mais j'ai pas envie de leur... Mais est-ce que j'ai la vérité ou pas? You look a little stressed out. Je sais pas si je reviens Are you okay? I'm just a little worried about my il va me dire, en fait, si je redis la même chose, il va me niquer, quoi. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Mais si je dénonce Nathan, il s'est rien passé. Nathan, c'est le boss et il file des thunes. Is that it? Je peux pas dénoncer Nathan, well, sinon je vais passer pour la folle. Talk to me. Bon, du coup, je suis revenu, mais je refais la même. Je refais la même. Excusez-moi, c'est histoire de. I just got sick in class. Ok, par contre, tu peux passer après pour pas trop taper le discours. Ok. Ok, ça marche. Bon, vas-y, on assume. On va au campus principal. Le mec, sa famille, file full. File de, que des thunes. Donc ça va être impossible sinon. Ne rien faire est un choix. Ah! Stop backseat, c'est quoi backseat?
pardon. Alors, bon, là, il y a les avis de recherche. C'est quoi, c'est Dana ? Non, elle s'appelle pas Dana en fait. Rachel Amber. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. Bon, il y a Madame Grant. On peut lui parler. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked elle to sign bien, a petition. Elle a l'air cool. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Putain, merde, j'ai eu le chat au moment où je regardais ça. Je peux pas rebobiner là ? Elle me demande quoi ? Grant, elle a l'air cool. Je lisais le chat, l'erreur. Sure, ouais, c'est bon. Vas-y, petite pétition, c'est la pétition, c'est bon. David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school. Ah, toi t'es fort, toi. L'autre, ça a l'air d'être un connard, le surveillant. That's crazy. Ouais. I get why school should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. It's a slippery slope, and it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. You know a lot about Blackwell for being a science teacher. Science is history, Max. And I have a secret wish to teach local lore and legends. There's a lot of unique facts about this. Elle a l'air cool. On a des pouvoirs, faut se rapprocher d'elle. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Yes, baby. On signe avec plaisir. Elle, faut que j'en fasse ma pote. But not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Ah, c'est ma sauce. Elle, c'est ma sauce. Elle, Madame Grant, on pourra aller la voir si ça va pas. Après, c'est des trucs genre sur les légendes et tout, et moi, c'est bizarre que j'ai des pouvoirs. Salut. Hayden. There's Hayden and his Vortex Club. Ah, lui, c'est un connard. Enfin, le Vortex Club... Ah ouais, c'est vraiment... Le Vortex Club, ça a l'air d'être quelque chose. Ok, il y a une piscine là-bas. Brooke, j'aimerais bien lui parler. Oh, j'ai un message. Alors, attends, c'est quand? Où est-ce qu'on va l'heure? Attends, hello, désolé, je suis en retard, j'en ai de fou. Non, mais ça va super vite. Je peux pas mon appareil à toutes. Rendez-vous dans le parking. Putain, mais vous avez parlé super vite. Ah, ok, ça fait l'air, monter comme ça. STP, Mad Max, n'ignore pas, hello, désolé, je suis en retard, rendez-vous dans le parking, j'ai la classe, tu verras, je peux pas mon appareil à toutes. Ah, ils font des petits shootings, ok, d'accord. Ok, I better get to my dorm and grab that flash drive. Dortoir pour récupérer mon USB. C'est où le dortoir? Athletic Field. Ok, l'agent de sécurité. Bon, Nathan, c'est le boulot. Et à quoi sur le proviseur? Du mal à cerner le proviseur, je sais pas pourquoi il a l'air de se méfier de moi. Bah ouais. Ah tiens, un délire de... On a l'air pas mal niveau photo, mais... Fontaine. On s'assoit un peu. T'es sur le chemin. Max se transforme en Wendigo. Non, non, on est en retard, on se casse. Ah, dormitories. Ah ouais, mais ça c'est les pires panneaux ça. Bon allez, on va au dortoir, on est déjà en retard. Et surtout que c'est notre pote, on a pas beaucoup d'amis. Donc quand t'as pas beaucoup d'amis, faut les garder. C'est le conseil du jour. Si jamais vous voulez. Oh, album photo. Oh, Ivan il a l'air fort. On regardera l'album photo à un moment d'Evan, voir s'il est chaud ou pas. Allez, on va au dortoir, on va prendre l'USB et ensuite on va dans le garage. Je vais regarder. Attends, regarde Twitter, message de chat. I need to go to my room and return Warren's flash drive. Et en vrai, ça a l'air cool le campus, hein. J'aurais kiffé et tu dis donc... Oh là, c'est le gang des beaches là. Excusez-moi. Pardon, poussez-vous. Je vais lui parler. It's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. Non, je remonte I dans guess le temps. You got your meds filled. Ah ouais, vraiment le cliché quoi du truc quoi. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. Oh, we ain't moving. Ce genre de meuf. Oh wait, hold that pose. Oh là là. So original.
Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right what? Before it goes fit all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. Oh. I'll get your bony ass out of my way. Mais là, du coup, je vais devoir monter à l'échelle. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. Oh ouais, d'accord. I just want to get Victoria the hell out of the way. Oh, bousculade. On va entrer par derrière, du coup. Alors, pompe à eau. This main sprinkler valve looks easy enough to use. On peut pas arroser Victoria? Ah voilà. Elle mange. What the hell? Voilà. Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Okay, c'est bon, on peut partir. Pour fermer la valve. Non, on ferme pas, on s'en fout. Ah, c'est bon, elles sont barrées, du coup, on peut rentrer maintenant. Re les filles. Oh non, le Samuel. Oh, Samuel, il est là pour peindre. Moi, oh, Samuel, je pense que c'est un... Ah, mais vous ne toujours pas me laisser passer. Do you understand English? Ok. Get lost. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Mon cachemire. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Je comprends pas le... Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Oh, j'ai remonté sans faire exprès. Bon, là, j'ai remonté sans faire exprès. Mais du coup, je pourrais pas passer là, quoi qu'il arrive. Tu rushes trop, prends le temps de regarder ce qu'il y a autour de toi. Mais frère, il y a un moment... Il y a un moment aussi où... Pour l'instant, hein, ça fait une heure que je joue, je suis dans un dortoir. Hein, j'arrive pas à entrer dans le dortoir. Sinon, on se fait un petit foot, hein. Mais ils voudront pas jouer avec moi. I need to figure this out. Je comprends pas le... Ah ok, d'accord, du coup je dois remonter à tout à l'heure quand je sabote. Parce qu'en fait je sabote pas du coup. Mais En gros je vais pas saboter pour Samuel, mais je vais saboter tout en haut. Mais du coup je dois monter en haut, haut. Et genre niquer le crochet. Ok, alors je vois là. Ah ok, c'est le saut. Hmm. A paint bucket okay, next to Victoria. Putain, tu peux remonter vachement loin quand même. I see a plan. Ah, mais du coup, c'est bizarre parce que tu joues. Ok, let's see if this works. Ok, bon, on s'éloigne un peu, on peut s'asseoir. On peut pas s'asseoir. On va attendre comme ça, du coup. On va attendre tranquillement comme ça. Mais comment il va le prendre sur la gueule? Faut que je lui fasse parler, non, pour qu'elle se lève. Capiche? Ah non, faut peut-être que j'aille allumer l'eau. Parce que si j'allume l'eau, elles vont se lever en même temps, non? Elle va le prendre dans la gueule. Bon, attends, on voit, on fait comme ça et... Close, but no cigar. They okay, have voilà, to be okay, right ça. Under the bucket. Allez, on se refait une session. Oh merde, j'avais pas besoin de refaire tout ça, je suis con. Juste du trafic et hop, on passe. Okay, let's see if this works. Hop, vite, 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 vite. Ramène la valve. Utilisez. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Et là, c'est le moment. Elle va le prendre dans la gueule. Tu vas t'habituer, pas de panique. T'es pas obligé de remonter full. Ouais, ouais, je comprends, je comprends, je comprends. No way! No fucking way! Okay, Victoria? Oh, Samuel, sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo! Il a l'air bizarre quand même, Samuel. Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I drop. It worked. Don't mess with Max, bitches. Bitches!
Bon, là, tu vas me laisser passer quand même. Tu vas pas être relou à ce point. Voilà. Hey, Victoria. What do you want, Max? On va réconforter. On va essayer de se faire une place dans ce milieu de beach. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. Voilà. It was. But there'll be another. Voilà, well, bon. You always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. Ah, c'est de la comprendre, c'est une gosse de riche. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they can sign on me. C'est un peu mal. Allez, vas-y, laisse-moi passer. Tu veux t'asseoir? You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck yourselfie. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Bon, on s'est fait une amie. Ok, on peut aller au dortoir des filles. Je me méfie un peu de Victoria, j'aurais peut-être dû prendre ma revanche. Non, mais elle arrêtera jamais, elle. Nous, si on est une victime, faut se faire des alliés, quoi. C'est toute la strat. Ok, donc ça, c'est le... Ça, c'est le dortoir. Bon, la carte et tout. Welcome to Black Hill. Ah, il y a le nom et tout, d'accord, parfait. Oh, c'est bien, ça. On est en 219, nous. Mais c'est genre une par chambre. Enfin, je suis en face de Victoria. Fallait surtout pas l'embrouiller, elle. Je suis une aventure. Bienvenue à Coconut. Merci, mon poteau. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Achieve and AIDS. Ok, donc c'est tous go les Miss trucs Grant. De... Not sure if I will, though. Ah, ça c'est bien, c'est la pétition. Il y a la pétition pour la surveillance. Juliet Redvis. Juliet, extreme reporter. Ok. Oh là là. Ok, ça c'est les chiottes. Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. They live. Ok, moi je suis en face, c'est ça là. Oh, j'ai rien écrit sur le bon truc. Sad. I didn't write anything. Oh, un petit dessin. Nothing to say. Un petit dessin, un petit dessin. Ah, on sait faire des dessins, il faut dessiner. D'autres jeux de prévu après, bah là on découvre. Regarde, oh c'est un beau dessin. Oh, c'est pas une émote, c'est un truc connu ça. J'ai pas la... La culture. Home sweet home, my favorite cocoon. It's such a pretty guitar. Attends, on va appeler Wild Fenouil. Un petit Wild Fenouil avec nous. J'aurais kiffé jouer des instruments de musique. J'ai toujours été nul. Déprime sur 20 le dessin. elle est souvent un peu blasée hein, quand même. C'est un peu ça le souci quoi. Bon, c'est bon, on s'est fait un petit concert, Maxou. C'est un délire, leur campus. En vrai, c'est un délire, hein. Ah bah, c'est pas la fac de Nanterre, quoi. Ça, c'est clair que... Ok, petit message de maman. Joyeux anniversaire... Ah non, ça, c'était en septembre. Bonjour, chérie, le proviseur m'a envoyé un mail. Il s'inquiète de ton attitude et comportement. Il paraît que tu ne t'intègres pas et que tu te caches dans ton dortoir. Je sais que c'est dur d'être loin de chez soi, même si tu es majeur, mais tu es là pour changer le monde avec tes photos. Appelle bientôt, tu nous manques. Bisous, maman. Oh, c'est trop mignon. Que c'est plutôt compréhensif. I'm glad Kate let me borrow her copy of the October Country. Bon, y a quoi du coup? Y a quoi dans notre chambre? I miss going to the games with my dad. Go Thunderbirds. C'est pour ça aussi qu'il n'arrive pas à se mettre dedans. C'est son père qui. I love that mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. Hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Happy birthday, Maxine. We'll never forget the day you were born and your first smile. It was a love at first sight. It's your special day. We miss you and we're so proud. Oh, c'est beau. Des parents qui soutiennent leurs enfants, c'est beau. Voilà, je vous le dis. Voilà, même si ton fils veut être un troubadour. Pink, but no shit, laisse-le être un troubadour. Would Man Ray call them selfie portraits? Ouais. Merci, Baba Cool, pour le 21e mois. Bon, petite poubelle. Y'a quoi là? Non, c'est bon. If I'm not looking through a viewfinder, I'm looking through a window. Always looking. Je la trouve quand même très ironique. Hein, sur... On arrose un peu la plante, elle va pas bien la plante. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. Drink up. Bon, pour l'instant...
cette action aura des conséquences. Le fait de nourrir la plante. I haven't forgotten you, little Lisa. Yet. I haven't forgotten you, little Lisa. Ah, c'est parce qu'elle lui a offert le truc, ok. One day I'll organize my film collection. Bon, on check un peu ce qu'on a ici, day, ensuite on verra. One day I'll get an actual HDTV. Petit ordinateur portable. Here's my poor laptop begging me to check in. Ah non, mais moi je cherchais la clé USB parce qu'on devait aller rejoindre l'autre. Here's my go-to source for in- Attends, on va voir un peu ce qu'elle fait comme photo. Philip Lorca de Corsia, my man. My man! I'll take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's pardon. Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, oh, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Putain, elle a un pouvoir. Moi, j'aurais pas pris arrêter le temps, enfin remonter le temps comme pouvoir. Enfin bon, elle a pas choisi, hein, la meuf. Hein. Mais j'avoue que voler, voler, j'aurais kiffé. Hein. That's the only tourist picture I let them take of me. That was a good hockey game and a great fight. Man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. Bon, elle a eu des amis à un moment dans sa vie, c'est déjà bien. Ouais, il faut faire le check quand même. Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. Il faut que je leur parle. Quoi. Faut que je leur parle, faut que je leur parle. Allez, petit moment de radio, allez, on se met un peu de radio. Voilà, comme ça on peut découvrir avec du son. No, Hamilton, the greatest. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. When I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER, Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. Par contre, cette clé de nature graphique bouleversante est sujet à controverse. Cette compilation a été chargée pour un public difficile et plus grand soin. Nous vous félicitons pour votre goût exceptionnel et attendons votre impatience avec vos retours. On va prendre la clé du coup ? Elle est où la clé ? Et la petite photo de moi dans le miroir. J'aime bien les musiques du jeu. Je trouve ça cool. Ça se trouve, voler, c'est chiant. J'aimerais bien faire du saut en parachute, là, moi. So cheesy, but it makes me smile thinking of the day Mom and I sewed back together. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Putain, elle a tellement de photos, quoi. Petit moment, petite game. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Merci bien d'avoir fait tes notes au cours du cours de Jefferson. Tu n'as pas fini de recevoir des messages de reconnaissance éternelle et j'ai une compilation variée de séries et de films cultes classiques et complètement déjantées sur une grosse clé USB au cas où ça t'intéresse. Merci encore pour ton aide. Je suis plus un scientifique qu'un artiste. Est-ce que tu pourrais m'expliquer vite fait comment fonctionne un appareil photo ? Lui, il est cool, lui. Hein. Lui, il est pas prise de tête. Bon, ça c'est pour acheter des caméras quoi. Attends, mais il nous avait dit quoi dans les SMS là ? On doit se rejoindre, non ? Rendez-vous dans le parking, j'ai la classe, je prépare mon appareil. Tu me rends ma clé USB, j'ai besoin d'infos et d'espace. Mais du coup, il faut. On l'a la clé USB ? Ah, c'est un peu ma question là. C'est donc où la clé USB ? En fait, on est venu pour ça quoi de base. Il est surtout un chien sur toi. J'ai pas cette vision, je suis un mec moi donc. It feels so nice to just relax. This day has been so damn bizarre, and it feels like it has gone on forever. Maybe I'll just wake up now and find out I was dreaming all of this. Bon, lève-toi, lève-toi. Like Poe said, a dream within a dream. Alors, Oh là là, mais Pierrot, bienvenue mon Pierrot. Merci pour le sub. On est bientôt au 1300. Il manque 9 subs. C'est gentil. Ok, en fait, t'as plein d'endroits et du coup, tu peux prendre des photos et tu lock les photos, quoi. J'ai de la peine pour Victoria, l'avoir assis sur les marches. L'espoir fait vivre. C'est dans le journal, c'est là, les quêtes ? Ok. Ah, il y a un post-it. Looks like Dana left me a little post-it note. Je prenais ta clé USB pour me distraire un peu pendant que je révise. Si t'en as besoin, je suis dans ma chambre. Ok ! Great. Bon, now vas-y. I have to go get the flash drive from Dana's. On est parti. On va voir Dana. Dana, elle est cool en plus, mais... Oh là là, elle est en train de déprimer. Oh, elle est en train de déprimer. Welcome to the real drama queen of Blackwell. Let me out, Juliet. This is so stupid. Juliet looks like she's ready to throw... Hey, Juliet. Elle est en train d'appeler. Oh, Bichente. Bienvenue, Bichente. Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. You are ridiculous. What did she do?
What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone amie? Out with your camera. That's why I'm talking to you now. Voilà. What's my last name? Mason? Ça pourrait être Mason. Patson, ça me semble. Patson, c'est, je crois que c'est Nathan, non? Mais ils sont pas frères et sœurs, Nathan et Juliette? Oh, il y a peut-être un délire de frères et sœurs. Ça peut rembobiner? Ah non, on pourra rembobiner après. Je tente un Mason. Juliette Mason. That was truly sad. Thanks for your concern, Max. Ok, c'était pas Mason. By the way, Juliette Watson. Là, ça va, ça va aller. Vas-y, c'est bon là. Ah, faut embobiner jusqu'au bout. On a besoin d'embobiner jusqu'au bout. Vas-y, on lui reparle. Hey, Juliette. Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Je pense qu'on refait le pattern et on lui dit c'est quoi son blaze. Parce que dire tout de suite sois sympa, Juliette Watson, or que l'autre lui a. Ça fait trop aggro. Vas-y. What did she do? Ça fait trop. Dana's been sexting with je te connais pas, quoi, tu vois. Ouch. How did you find out? Why do you care? Moi, je trouve ça bien. Why are you on se connaît pas de base. Me? Je trouve ça bien de. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Et là, on sait. Watson, hein? Juliette Watson. Duh. I'm flattered. Voilà. I didn't even think you knew my name at all. Ah voilà, elle est contente là. Tiens, on la met vers le bas pour la faire remonter. T'as toujours plus d'émotion si tu fais ça puis ça que ça. According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria. Huh. She saw the sext and Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. Dana's still a cheerleader at heart. Mais je pense que c'est l'autre qui essaie de la rendre folle, quoi. This girl must have been popular. Mais du coup, est-ce que she's everywhere. On peut pas vraiment reparler, mais moi j'aimerais juste récupérer ma clé USB en fait. Leave me alone, Max. Ok. Get a clue. Ok, ok. Mais du coup, faut aller chercher qui là, parce que. Nice atmospheric shot. Needs dusting. Ouais, sinon, genre, sinon je vais direct au garage et c'est pas grave pour la clé, hein. Room 217. No way in hell am I ever going in here. Elle est où la clé de la chambre de Victoria? Blackwell isn't that non, big, but. Mais c'est Victoria qui doit lui envoyer des nudes, hein, je pense. To Black Hill. On va voir Vicou là. Petite course est lancée, chambre de Victoria. Parce que maintenant on est pote avec Vic. Hein. C'est chaud d'entrer comme ça. Ah ouais, c'est vraiment bas les couilles, quoi. On va fouiller là? Ouch. Well, at least she puts her merci de l'intérêt que vous avez porté à la galerie Croft. Nous sommes désolés de vous informer que votre travail ne correspond pas à ce que nous recherchons en ce moment. Ok. Bon, après, elle se bute. Hein. Elle fait les efforts et tout. She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime. No, officer, I'm not snooping. Just admiring Victoria's cutting edge tech. Mais en vrai, elle a genre. Yes, Victoria. Vas-y, on teste. Elle a un Mac. I'll give Victoria props for not posting my photo and for this nice shot. Bon, là-dessus, elle a été cool. This is the email I need to show Juliette. Now I have to print this fast and get the hell out of here. J'ai simplement eu que j'avais un sexto, cette bouffonne m'a cru, attention drama en vue. Oh mais quel con, putain. Comment j'imprime? Ah, print. C'est pas une imprimante, ça? Ah, imprimé. On imprime l'email. Merci à Cheventura. Domingo Tors. Je pense qu'on va se faire cramer. This better convince Juliette that Dana. Vas-y, on se casse. Le but est pas de fouiller là. 100%, elle va être là. Ah non. Ok, vas-y. Et c'est pas mal là, j'aime bien là. Victoria, vraiment la fille. Juliette, read this. Voilà. Et là, je me fais plein de copines. Il faut juste pas qu'elle dise que c'est moi. C'est le seul but.
I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No, but I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Et là, je me suis fait une bête de pote. Là, Dana, je veux que tu me défendes à la vie et à la mort. Je t'ai genre sauvé de ouf. Get the flash drive and attends, then on discute un peu. Seriously, thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Oh, c'est dur là, parce que du coup, je dois m'engager avec Juliette et enragée. C'est plus Victoria, Victoria et Meskin. Victoria is not nice. I don't get it. She bon, j'ai déjà été cool avec elle tout à l'heure. Je peux and pas non plus, ça va. Ça reste quand même une énorme conne. They're in the Vortex Club doesn't mean they're BFFs. I'm in it and Victoria creeps me out. Ah, c'est Max, la caïd, you're quoi. Smart to be a loner here. Though Warren obviously likes hanging with you. Qu'est-ce que tu what veux do you dire? Mean? Oh, nothing. When you opened the flash drive, didn't you see the special folder called Max? Yeah, okay. I gotcha. Are you blushing? Go ahead and grab the flash drive whenever. Attends, parce que je vais peut-être pas fouiller non plus. Je vais peut-être pas fouiller juste à côté d'elle, quoi. Tu vois, genre, ça va être un peu chelou. On va juste. Must protect my precious so Max never has to chase it down again. Chelou quand même. Bon. Warren, je t'attends depuis une demi-heure. Ça me dérange pas d'attendre là pour toujours. J'adore ce parting, il se passe trop de trucs. Les SMS prennent trop de temps, j'arrive. A plus. Ok, donc on va direction le parking. Quitter le dortoir des filles. Ah, le précieux. C'est quoi cette voix? Je sais pas, c'était un peu chelou, j'ai pas compris non plus. C'est lui? Lui, c'est Zachary? Fuck this shit! Ow! Oh non! That hurt. Damn! Oh non. I better rewind. Ah ouais? Je fais quoi là? Du coup, je récupère? Get lost, hipster. I'm not doing any interview. Ah, un bon fils de pute aussi. Fuck this shit. Ow. Oh. Lève-toi. Fuck this shit. Ow. That hurt. Get lost, hipster. I'm not doing any interviews. Oh, mais va chialer. Après, elle a juste pris un ballon dans la gueule, hein. Ça arrive, hein. Ouch, poor Alyssa. That'll leave a bruise. Faut pas être parfait, hein. Moi, pour moi, on peut pas être parfait. Tu vois, y'a des trucs. Au fait, merci, on n'est pas amis. Et voilà, c'était sûr qu'elle allait me niquer, quoi. Après, je pense que elle se serait toujours servie de moi, tu vois. Au moins, tout à l'heure, je l'ai fait. Je suis rentré. Et c'est tranquille, quoi. Je vais t'avoir mal une fois, la mal 10 fois. C'est vrai que. Retourne en arrière et parle-lui. Mais non, mais arrêtez de contester mes choix. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Ah, mais lui, il est trop chelou, hein. Prends une photo. Comme ça, on aura au moins on aura des arguments. Sinon, c'est argument contre argument. About this school, I cover the waterfront. So you better figure out what side you're on. Please, bon, par contre, interviens maintenant. Voilà, au moins, on a une preuve. Parce que sinon, lui, il sera juste toujours contre nous. Devant le proviseur, on aura une preuve. Faut la jouer comme ça. Tu n'as rien fait. Hope you enjoyed the show. Thanks for nothing, Max. Ouais, bon, du coup, par contre, on perd une amie, quoi. Mais c'est pour te protéger. Après, elle est pas... I should have stepped in between Kate and David. That asshole was so over the line. I could rewind and try something different. Ouais, mais est-ce que c'est le bon call, tu vois? Est-ce que là, par exemple, ne pas faire un choix est un choix? C'est ma question, tu vois. Est-ce que genre... Là, par exemple, quand elle me dit un truc comme ça, est-ce que ça vraiment, ça me nique dans le jeu? Ou... C'est mon call. T'as toujours une phrase qui est là pour faire douter. Si elle le dit, reviens. Mais est-ce que je garde pas la photo, quoi? Oh, moi, je fais mon choix. Ok, d'accord, c'était juste pour savoir. Bon, vas-y, je fais mes choix. Tu gardes la photo. Ah, tu gardes la photo? Tu gardes les photos?
tu gardes les photos par contre. Ok, bah j'aurais dû rewind alors, mais tu gardes ton inventaire. Ok, d'accord. Bon, my bad pour ce move. Du coup, fallait revenir. Oh, par contre, ça s'est fumé ça. Mais du coup, t'as 48 vies quoi. Je garde la photo. Ok, ok. Bon, on a perdu un pote quoi. On est sur le parking. Man, I should have done something. Bon. That guy was an asshole. Ouais. How could Zach and Victoria do that to me? Hi, Juliet. J'ai été cool. Toi, sois cool. Oh, on va pas hey, chier. Max. Sorry, I'm still screwed up. Sorry you had to find out about Zachary that way. Or anyway. Better sooner than later. Now that skank Victoria won't be laughing behind my back anymore. Ah, mais vraiment, have you il se passait des trucs. Zach yet? Mr. Badass Football Hero is such a chicken shit. He said he sexted Victoria as a joke. Ha ha. I think Warren wants your attention. Juliette he usually does. Hang in there, Juliet. See you around, Max. Ah, la pauvre. Elle est gentille quand même, elle juste elle est un peu du père quoi. Par contre la vie de recherche, elle est partout quoi. Yo Max, check it out. Yeah ma gueule. Il a sa petite pièce et tout. Here's your flash. Oh, non. Thanks. No problem. Check out my new wheels. Friendzone. Cool, very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. Denied. You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. You okay? Il a l'air cool, lui. It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. Eh, ma gueule, c'était moi. J'aurais dû prendre en photo. Vraiment? Really? I wish I would have known. You probably could have raised a Kickstarter fund just for that one image of her covered in paint. Lui, ça va être notre pote. J'ai envie de me confier à lui un peu. Anyway, Victoria took down my photo, so that drama ended. Ah, c'était well. Le seul but. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Non. Non, on est honnête. J'étais no, occupé. I've been way too busy with class and life. Damn, girl, you had it like a year. Or a week. I did browse through all the titles, drama queen. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. Cannibal Holocaust, mais t'es ouf ou quoi, toi? No fucking way will I watch voilà. That. My mind is twisted la enough. Meuf, elle est déjà totalement fucked up. So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. Non, non, c'était mignon. Not at all. Sensitive is good, unless you're a pushover. Voilà. You have hip taste and a quick mind. Thanks for noticing, Max. Bon, être réciproque, the right là, girl will too. If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. Ça fait bizarre de jouer une meuf et de se faire charo un peu. Vas-y, si, je veux bien parler, moi. I need to talk to somebody. Just to get it out of my system. Ah non, mais attends, on va tout lui dire. Warren Graham is in the house. Ah non, pire, on reroll. On va pas tout lui dire à lui, hein, je pense. Tell me everything. For reals, Warren, this is between you. Ah non, 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 dis pas que tu vois des trucs et que tu rembobines le temps, ça va être chelou. Pas tout de suite. Go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. L'angle est bon. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you saw, now. Answer me, bitch. What are you talking about? I know you're new here, but don't even play stupid with me. I'm not new. I've lived here for years. Then you should know the Prescotts own this shithole. Putain, c'est infernal, then you don't have to worry about me. Worry about yourself. Do not analyze me. I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Take a step back, Nathan Prescott. Voilà, femme forte. Oh, man. You're telling me what to do? Get away from her, dude. Oh non, l'erreur. Erreur de débutant. Hey, leave him alone. Nobody tells me what to do. Qu'est-ce que tu fais, not toi? Not my parents, not the principal, that. Or that whore in the bathroom. Je vais mourir. Max? Chloe? Oh! No way. You again. Warren. Oh, no, I got this. Oh! Yeah, Max. C'est quoi ce délire? Get your punk asses out of there now! Don't even try to run. Nobody. Nobody.
Mais le mec nous a défendu, on s'est barré. Nathan Prescott is messed up and dangerous. This day never ends. Oh, and on a abandonné Chloe. De ouf. Oh, il y a les deux meilleurs amis. 5 years are still Max Caulfield. Putain, mais ouais, c'était ma note meilleure, je savais pas que j'avais pas capté que c'était Chloé. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. C'est GTA 5, c'est un délire. Oh, and le mec s'est fait exploser Chloe. Le nez. It makes perfect sense, I'd la meuf s'est barrée en courant. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? C'est une erreur, son tatouage à Max. Hein. Est-ce qu'il m'a aucune idée? I have no idea. I know he's a Prescott. And an asshole. Your friend really stood up for you. Warren? Yeah, I owe him big time. C'est l'heure de s'en rendre compte. You're not the only one in debt. And you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? Elle est trop cool, elle, j'aime trop. Non, c'était bien en plus, hein. No, it felt like a real city for artists. Big and bright. Great for taking pictures. Yeah, must be hard coming back to a hick town like Arcadia again. Not after seeing you. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Bah ouais, mais je t'aime bien aussi. Uniquement pour Mark Jefferson. C'est compliqué là le choix à faire. Parce que évidemment, uniquement pour Mark Jefferson, c'est vraiment genre. Ouais non, c'est pour Mark Jefferson. Only for Mark Jefferson. He was a pretty famous. En vrai, c'est pour ça quoi. Mais ça va lui faire mal. Dis que c'est un peu pour elle aussi. It was the can't do teach. I'm glad you found a good reason to come back. Don't you think I'm happy to see you? Ah voilà. No, you were happy to wait 5 years without a call or even a text. Je suis désolé. Moi, je suis un peu comme I'm ça sorry. Aussi, donc. I know things were tough on you when I left. How do you know? You weren't even here. I didn't order my parents to move specifically to fuck you over, Chloe. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. Pas faux. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliché geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. Ah, après, elle a forcé, elle était vraiment enfermée, quoi. Tatouage est horrible. Cheveux bleus, on va pas en parler, mais... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vomit. Oh non, il est cassé. Broken. Man, are you serial? Wow, haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. Ah mais elle vend de la drogue, Chloé, tu peux... My step-douche has a boatload of tools. Voilà, ça c'est Clo-Clo. Very specific, tiny tools. Nerd alert. My stepdad has a fully stocked garage. And he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Son outil, mais... Et on est de retour à la maison. Bon, ça va, j'aime bien. Je trouve ça cool, là. Au début, j'ai pas trop aimé. Parce que je suis un peu en mode, bon, j'assiste à des cours, quoi. Et j'ai arrêté dans la vraie vie parce que ça me faisait chier quoi. C'est pas pour y jouer. Mais là je commence à rentrer dedans donc j'aime bien. Mais ça doit être bizarre à regarder en stream. Enfin, c'est dur de. C'est une traduction nulle. Come on in, don't be shy. Ah, il doit avoir des traductions nulles. Après ça va dans l'ensemble. Quoi. Nice. Home, shit, home. C'est Chelsea. Ok, donc là on est chez Max. Là, normalement, un endroit où je connais, parce qu'on a visité, quoi. Non, c'est cool, franchement. Bon, bah, ça va, alors. Si vous passez un bon moment... En fait, c'est dur, comme je vous dis, parce que normalement, je toujours stream des trucs très dynamiques. Et alors que là, du coup, j'ai un peu l'impression de me laisser porter. Comme si vous étiez pas là. En même temps, vous êtes plus de 3000, tu vois, donc c'est genre... C'est dur à... J'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses. Mais c'est cool, je m'amuse bien, moi, en tout cas. Donc, si vous abusez, c'est cool. Après, c'est un boire et tout. Mais elle, c'est une... Put on some music while I medicate. Oh là, ça lag. Attends, mais elle fait quoi là? Un petit bang? Ouais, on est là. Où est-ce qu'on met de la zik, ma petite gueule? T'as une radio? Shanifi. Non, y'a pas de son. Play without any power. Mais on va brancher ça? Non, on peut pas brancher. Multiprise, juste ici. Clac, boum, allumé. Électrocution. Et c'est du métal. Et c'est gobe léger. Houston, we have the power. But we need to find a disc to play. Dans la boîte. Il peut pas avoir un CD dans la boîte. Hein. Look at that. Chloe and her dad were so close.
Putain, elle a changé, hein. Ah ouais, d'accord, ok, quand elle est partie, En fait, quand je suis parti, ça a dû lui faire un électrochoc, quoi. Et elle est devenue, genre, du tout au tout. We had such a blast drawing these together. Putain, mais c'était les meilleurs amis du monde. Et super chaton avec de la liberté. Même pour mettre de la musique, c'est une mission agro, je t'assure, c'est un délire. Il est dans le sac, ton truc. And it reeks like dirty laundry. Gross. Il est où ton putain de CD, putain? Dans ce placard-là? Chloe totally changed her style. I barely recognized her. Bon, sinon, n'hésite pas à te bouger le cul, hein, là, si tu veux faire autre chose que fumer, parler, on peut pas... So tell me, what does Max Caulfield do for fun now that she's a grown-up? J'ai pas l'impression d'être adulte. Pas grand-chose, hein, on va... Chloé va nous décoincer un peu. Je pense que Chloé va nous aider à nous décoincer un peu. Moi, j'étais un peu un geek timide et... Can you see me at a rave? Découvre les rave parties. I dose those candy flipping morons and watch them twitch into a DJ dance death rattle. Oh yeah, c'est vraiment une camée, quoi. C'est quand même peut-être dans la boîte en dessous là. Chloé, elle est quand même ouais au niveau Et voilà le disque. Allez, mets ce son. Quelques pièces aussi, récupère les piècettes. Hey, give me that. Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. It's putting it mildly. Oh non, Clo-Clo. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma Clo-Clo? Ah, ça doit être Rachel Amber. On va demander qui est-elle. On va faire la. So, who is she? Do you mind talking about her? Rachel Amber. Voilà. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt putain, elle a vécu des trucs difficiles, elle, quand même. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. Elle m'a remplacé, le pire truc, c'est... Tu peux pas être jaloux comme ça, là. Even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. Rachel had my back. Un bon Call of Duty à Blackie. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. So what happened? Did your folks, your mom, try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all the details. Ah, je découvre, hein. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Then poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you... Rachel. Putain, Chloé, tu comprends God. Que la drogue a été la solution, quoi. Parce Can you put on some music now? Ouais, j'arrive. Excuse-moi. J'avoue que c'était le premier truc demandé. Je t'ai fait une petite psychanalyse là. On se met de la zik maintenant. Alors, qu'est-ce que t'écoutes? Va à droite. Voilà, du bon son. Qu'est-ce qu'elle écoute? Suspense. Rachel a pris un petit billet pour la Syrie, apparemment. Qu'est-ce que vous êtes cool. Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Ah, ça y est, là, du coup, on est plus du tout potes, là, c'est... Are you okay? Elle s'est renfermée. Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. Bon, bah, on va se balader dans la maison. Des tours. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à check? You can't go home again, said Thomas Wolfe. But here I am. Whoa, dark. I cannot see anything. Est-ce qu'elle a des trucs chelous? This is definitely Joyce's makeup. Chloe wouldn't use animal products.
I wonder if Chloe is taking those pills. I hope she's okay. La fluoxétine. Je ne connais pas la fluoxétine. I like Chloe's new hair color. She's the opposite of shy. Of me. C'est le pire truc, ça, de se faire les teintures chez soi, en plus. Ça doit pas être cher, mais... Et on éteint la lumière, on pense au climat. On pense sur la planète. Au final, c'est ce qu'on fait. Bon, on check vite fait. Hein. Et là, t'as la mère à poil. Bonsoir. Ça fait 5 ans. Oh non. This must be Chloe's parents' room. Man, I am nosy today. Bah, l'oiseau. Oh shit. Poor thing. I bet I could do something to save it. Là, là, regarde comment. Ah, je peux pas jouer là? Ouvrir! Oh! Il est passé! Il a réussi à passer! T'es où? Petite photo de toi là! Petite photo de toi, j'ai besoin! T'es où ma gueule? Oh, t'es là-haut! Photo! You've been resurrected, Birdie. Mais tout est bleu! Le papillon, les cheveux de Chloé, l'oiseau. Bon, ça, on va pas fouiller les placards non plus de la mer, quoi, je pense. C'est un peu. Oh, quoique. Quoique, ça se. Uh-oh. The prices are late on their bills. Oh non. Bon, ça va. C'est horrible. C'est un peu. Oh non, moi, je suis en train de fouiller les vêtements. Joey still works at the diner. And Chloe's new dad is a security guard. Uh-oh. Oh, le beau-père de Chloé, ça serait pas genre le casse-cou, il est à l'école là? Mais toi, viens, on se fait une petite photo là. You've been resurrected, Birdie. Non, on peut pas se faire une photo. Fly, be free. 4K à la facture, c'est solide quand même. C'est du. Ouais, c'est du gros prix, hein. Bon, on a laissé ouvert la fenêtre, comme ça il pourra se barrer, l'oiseau. Allez, on descend. Ah, mais 100% le padre, c'est. Tu as plus d'appareil photo. Ah oui, putain, c'était le but. C'était le but de réparer. Bon ouais, c'est la merde quoi. C'est pour ça qu'ils vendent de la drogue quoi, en gros. Now this is the Chloe I remember. Always smiling and laughing. Not so much anymore. C'est un peu les trois phases de. Après j'imagine que. Oh Kate, c'est qui Kate? C'est notre amie? C'était pas cool Max, t'aurais pu m'aider. Oh oui, c'est vrai que tout à l'heure je l'ai pas aidé. C'est vrai que j'aurais pu l'aider. Tu vas me répondre ou... C'est vrai que j'aurais pu l'aider. Après, on a une photo. Tu vois, j'aurais dû lui dire. I haven't seen this place in 5 years. Ouais, éteint en fait. Éteint, seems like forever. La télé, c'est chiant. On va voler dans la caisse, hein. I'd love to go to Paris, too. Pardon. At this rate, they'll be lucky to get to Portland. La bonne qualité. Joyce still works at Two Wells Diner. Best damn burgers in Arcadia. I better get one soon. Ok, bon, il y a des céréales, il y a du lait. Bon, moi, je vais aller dans le garage, là. C'est bon, là. Porte coulissante. Oh, putain, on peut aller dehors et tout. Putain, c'est libre, quand même, le jeu. Hein. Le jeu est quand même assez libre, quoi. I can feel autumn pushing out the summer. On peut pas rentrer par là. Petite course, petit ketchup, il y a un barbecue et tout. William used to grill awesome burgers for us. I wonder if he was the last one to use this. Ah. Bon. Oh, c'est vraiment les maisons genre américaines. Alors, de quoi on a besoin? Chloe's stepdad is head of security. Eh putain! T'étais sûr que c'était le con? Ah, lui, c'est le relou. Oh, ça va créer un conflit. Oh, elle doit tellement détester. Ça allait être le con ultra sécuritaire. Et l'autre, c'est Chloé, c'est. C'est la meuf qui voulait naître la période de Woodstock, quoi. You've gotta be shitting me. Et ouais, David Madsen. Oh, le cliché. Après, il a fait la guerre, il a vécu des trucs, hein. Ça laisse des séquelles, hein. Nothing. This is so lame. Pourquoi on comprend pourquoi elle aime pas son beau-père, ça peut se. Eh.
Mais il est super chelou, ça doit être le truc. Chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms. Non mais c'est genre malade mental le mec. For reals? This guy has serious trust issues. Non mais c'est un dingue surtout. Wowzer, a map of Blackwell Academy. I wonder why. Ah, c'est pour mettre les caméras là, ça me semble un peu. Un peu obvious. Tu peux pas refermer parce qu'il va s'en douter qu'on est venu. Là, il y a des outils là. Est-ce qu'il y a un truc suffisant? I need tiny tools for that camera. Reprends un peu de démocratie. Jeffrey? No password. Like it would help me find tools anyway. Un mot de passe, c'est Joyce. Joyce. Just cam. Ouais, bon. Oh. I wonder what's in those files. Bon, on va savoir tout de suite. Aïe, oh l'erreur. Butterfingers. Oh non, c'est le pire truc, putain. Oh, je suis un con. On peut pas ranger là? Kate Marsh. Why the hell would. Attends, parce que j'ai pas vu. I don't want to look at these creepy photos again. Ah bah j'ai pas vu, j'ai passé trop vite. I don't want to look at these creepy photos again. Il y a des photos de Kate. Why does David have them? Poor little dear. It's not enough to kill you, they have to display your head. Va en bobinax. Il a des photos cheloues de Kate. Ah, parce que c'est vrai qu'on est donc I don't want to look at these creepy photos again. Non, par contre, c'est ouf le pouvoir de pouvoir faire une action, rembobiner, être au courant de l'action et de ce qui s'y passe. That's like enough span. Moi, j'avais oublié qu'on pouvait rembobiner, désolé. Moi, j'étais dans le truc, tu vois. Moi, je suis en mode putain, il y a Chloé, il y a Warren qui s'est fait défoncer. Check out the muscle car. Chloe's stepdad must be a gearhead. Look at all that food. That's like enough space. Bon, je trouve pas le truc. Et du coup, faut que je continue à rewind même pour le placard, quoi, en gros. Parce que sinon, je suis niqué. C'est ça. Mais le deuxième aussi, du coup. Voilà, faut que je rewind tout, quoi, en gros. Voilà. Là, c'est bien. Là, on arrive, y'a rien. On arrive, y'a rien. Mais alors, ma question c'est. Ah, je pouvais fermer le placard? Oh, je suis tellement un los. Je suis tellement un bolos. Voilà ce que je suis. One of these guns is missing. I hope Chloe's stepdad isn't packing heat. Oh, bah, je pense que si, moi. Et je pense qu'il est pas mauvais score. En plus. Je pense que clairement il fait ça, quoi. Tu as des bras, Domi. Ouais, ouais, mais. Mais du coup, moi, ma question, c'est. Attends, il y avait quoi dans ce placard? C'était de la bouffe dans celui-là. Mais là, c'est que these des gros. Way too big. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas des. Il n'y a pas d'outils ici, quoi, en fait, tout simplement? Il n'y a pas ce que je cherche, non? Look at all that food. That's like enough spam for 100 years. Moi j'ai loupé un ou deux tiroirs. Ah les tiroirs de là-bas au fond, je crois que je les ai pas fait. Je pense que tu peux faire un truc ici, non? Je ne peux rien faire. Et ici là-haut, on avait pas vu. Boom, precision screwdrivers. Sauf qu'ils sont trop hauts. Except I can't reach them. That does not look stable. Bon alors du coup, il faut nous ramener un petit truc. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se ramener? Ça a l'air quand même à peu près stable, hein. On pourrait se le tenter, hein. Qu'est-ce que ça va faire d'allumer la machine? Ça, allumer la machine va faire tomber. Ça va faire tomber le tournevis de précision. Et on est bon. Oh, c'est dessous. That was very smart, dumbass. No can reach. Ah non, on peut plus. Attends, peut-être. Yes, here's some ancient car. Vas-y, pousse là. Fais la technique là que tout le monde fait. Man, I should have done that before they fell. Et tu tires maintenant. Non mais, on peut pas. Let's see, the tools are stuck, out of bon, reach, on va devoir rembobiner, and hein. No way in hell to get. Moi je le sentais bien de dire de pousser. Brilliant. Je le sentais bien quoi. Je le sentais bien. Je vous le dis. Ah.
Pourquoi je parie assez? Il faut déjà pousser le carton et ensuite on le tirera. Voilà, là t'es bien là. Vas-y, pousse le carton. Voilà, t'allumes la machine. Voilà, ça tombe. On tire le carton. Surprise! Yes. Y'a les tournevis! Oh, on est bon. Hein. Là, on est bon. Éteindre. Éteindre. Bon, bah maintenant j'ai le truc. Où est-ce que. Tout ce que je veux dire, est-ce qu'il y a une table spéciale pour. Qu'est-ce que vous dites dans le chat? Sur Stride, du coup. Ah non, mais je regarde pas le chat quand je fais les trucs parce que j'imagine que vous devez. J'imagine que vous devez être. Être en embrouille. Enfin, pas en embrouille, check mais out the en. Muscle car. Chloe's stepdad must be a gearhead. On avait fait. On éteint parce qu'on pense au climat. Bien sûr, toujours. Mais attends, par contre, où est-ce que. Je dois retourner avec elle ou je peux le faire ici? Ça va être trop chiant, quoi. Tu vois, par exemple, la porte. On avait juste besoin de. Après, on avait juste besoin de tournevis. Hein. Mais le père est tellement chelou que ça donne pas envie de. Ça donne pas du tout envie de lui prendre des trucs, quoi. On écoute. Chloe, if you're listening, Pete was cruising home off duty and told me he saw you near that garbage dump. Now I've ordered. Told you to stay away from that place. It's dangerous. And you got no idea what kind of scum are living out there. Stay away. I'm serious. Ah, il va pas bien vivre le fait qu'elle vende de la drogue. Je sens que ça va être un conflit à la maison. Je sens que ça crée un certain truc. Ça crée un certain truc d'embrouille qui est assez terrible, quoi. Re, ma petite pote. Est-ce que ça va mieux? Oh, t'es fracasse, toi. Oh, t'es fracasse. You found the tools. Sweet. You can sit at my desk and fix your camera. Merci. Merci, Clo-Clo. Elle y arrive pas. Elle est pas manuelle, c'est une artiste. C'est pas son truc le manuel. Vas-y Chloé, aide là. So? I can't fix this thing. Je suis chelou quand même de fouiller à ce point chez des gens. Yeah, I just took them today. Clay que mal. Let me see. Are you shitting me? That asshole's everywhere. Wait, I've seen this before. No way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today, you set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. Il allait te tuer. Toi, tu le sais pas, mais il allait te tuer. Now tell me the truth, Max. Vas-y, je vais être honnête avec toi. J'étais là. I was there, hiding in the corner. Damn, you're a ninja. Ouais, je suis un ninja. Ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? Non. Je n'étais pas sûr, pas du tout. Pas du tout. Not at all. Your hair and clothes are so different. I hope so. I'm sure this is all so weird to you after coming back. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation. Un peu. Just a bit. There is no way you didn't hear every single vowel. Voilà. Je vais être honnête avec elle, moi. J'ai envie d'être honnête. Moi, je l'aime bien, Chloé. Chloé et Warren, là, je sais pas quoi, ils sont cool. Now for the big question. Did you tell anybody? No, I didn't know what to do. I don't blame you. That's some intense shit. Maybe I should go to the principal. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. Ouais, c'est ça que fallait. Seriously, j'ai bien fait de rien dire. Chloé, avec ses pouvoirs, elle tirait sur le même jour pendant 3 heures. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. C'est ma sœurette. Ce look grunge, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le petit pochon. I know it was your birthday last month. Oh, mais elle est trop mignonne, elle est trop dans les sentiments, elle. Elle a quand même des munitions autour du cou, mais c'est un peu chelou ça d'ailleurs, mais. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool, you remembered my birthday. Oh, but trop... I can't take ouais, je suis d'accord, c'est trop intime.
my dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we get that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. Prends une photo. C'est ton modèle. Photo. Donc là, on est sur une séance. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yes, break it down, Max. Yo, turn it off. Oh non, vite. Oh, c'est vraiment... Oh, c'est l'enculé. Dude, the music's not even on! Asshole. Et la weed, ça le gêne pas, lui? Oh, no fucking way. Ah, bah you need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Chill, I'm changing, is that okay? Max, find a place to hide now. Chloe, I'm coming. Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Just let. Ok, c'est une mauvaise chose. I'm changing. Give me a minute. Je sais pas où me mettre, mec. Don't get smart. Bah, je suis mort. Let me in. Now. Là. One second. My bra is stuck. Ah, faut que je déplace avant. I'm not screwing around, soldier. Chloe, ah, ça s'appelle soldier et tout. Ah, c'est bon. Il fait peur, lui. Shit. What's going on in here? Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah, combat will do that to you. Ah bah ouais, lui, il a eu ça, tu vois. Il sent pas un truc chelou là. Non. One of my guns is missing. C'est Prescott hein, qui te l'a volé. Oh god, I didn't take your stupid gun. Ou alors c'est Chloé. You do know I believe in gun control? Wait. Is that grass? You been toking up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Whose is it? Oh, je vais se cacher. Stop treating me and my mom like we're your family platoon. Hey, leave Joyce out of this. I wish you'd leave Joyce, like now! Il a mis un retour. Oh, c'est... Chloe, I'm sorry. I care about your mother, and you just keep pushing me. By the way, I have proof you got all up in Kate Marsh's face today. Surveillance proof. What? You best stay out of my work. Then stay out of my life. Chloe, someday you'll grow up. Ça doit pas être facile non plus pour lui, quoi. On vient de la guerre et tout. Par contre, il a mis hey, un saut. Okay? Welcome to the real step douches of Arcadia Bay. I'm sorry. Après, t'as peut-être 18 piges, tu vends de la for drogue, what? Tu fumes à la maison. T'as le passé, that's mais hard c'est hard to believe. Quoi. Moi, je suis le médiateur, hein, si vous n'avez pas compris. Sneak out the window. There is one cool place we can go to in this hick hole. David was such a mean bastard to Chloe. Non, fallait jamais what intervenir, je pense. Parce que je te supplie, j'aime ce que tu fais, j'ai aimé ton challenge, je préférais, je te kiffe, change pas malgré les critiques, j'ai une question, continue à faire des let's play. Bah ouais, j'aime bien là, tu vois, du coup, je me lance là-dedans, et je suis un peu en mode. We'll je me fais kiffer quoi. Seeing Steph's dick is not on the agenda. Mais garde tes sous, Skylux, garde tes sous, fais attention à toi surtout. Attends, parce que du coup, j'ai pas vu. What are you waiting for? Ah oui, merde, pardon, excuse-moi, j'avais un don. Désolé. Bah ouais, son père est mort, elle a été abandonnée à moitié, tu sais, genre... forcément que pas elle part en couille, mais elle est un peu... Moi, je l'aime bien, Clo-Clo, quand même. Clo-Clo, c'est ma sauce. Oh, y'a le... On est dans un rêve. Ah non, parce que ça doit quand même exister dans la vraie vie, ce truc. On est peut-être juste en train de se balader. Tu peux tester tous les choix, car tu peux rewind. Ouais, mais trop de rewind... Ça gâche un peu le plaisir du jeu, non? Oh, c'est Bambi, putain, c'est Bambi. I haven't been here in forever.
So why do I feel like I was just here? Whoa. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Salut. Re. Ouais, je sais pas. Non, mais je comprends le principe du jeu. I feel like I'm in my nightmare. Ah ouais, non, mais là, on va... C'était exactement la même. Je sais pas si on avait vu la biche. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, moi, je suis pas le genre de joueur qui... Oh, Warren. Oh non, il s'est fait fumer. Ici la Terre, son chevalier servant Warren. Je sais que tu t'inquiétais pour moi. Oh, il s'est fait éclater. Je te dis une merci pour aujourd'hui, je t'appelle plus tard, ok, promis. Je vais toujours me parler de ton super secret. Cake ? Top cake ? Cake ? Rewind, c'est bien, mais tu dois faire le choix et choisir à chaque fois. Ça tue un peu l'idée. Bah, en fait, le truc, c'est que je pense que tu peux rewind du coup jusqu'à trouver le. Oh, mais là, on est vraiment là, je pense. Don't be swimming. Face the lonely country and never look back. Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. C'est quand même beau. I never made it. Wowzer. Chloe drew that to mark our tree fort, so we'd always be able to find each other in case of emergency. D'accord, il m'a pendu cake. Je sais que... S'il y a trop du mal. Merci, Satchiro. J'ai pas mis de message, Satchiro, c'est du chou. This would be a nice photo of Chloe, framed by the sun. Mais qu'est-ce qui nous en empêche? On n'a pas pris l'appareil, son appareil? Sure you don't want to be alone? Sit down if you want. Are you... pissed at me? I just wanted some backup. I'm not as brave as you. Non, mais jamais de la vie. Il t'aurait massacré si je sortais. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. I felt weird taking his photo with Kate, but he was such a bully. Yes, he is. But why was he bullying Kate? She's kind of boring. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Non, mais c'est compliqué de... Parce qu'il bully Kate et il a des photos cheloues sur Kate. Well, yeah, I couldn't help it. Première fois que j'arrive à te voir en live, alors je te fais ce petit don pour live à toi. Merci beaucoup, Lykios, 20€. Mais les dons pleuvent, ce jeu est juste ouf, bro. Continue, tu vas kiffer, et nous aussi. Bah, merci à tous, c'est très gentil. Ça fait super plaisir, merci Lykios, merci Organsock. Et Satchiro. D'aucuns ont des aventures. Je suis l'aventure. Never change. Bienvenue à toi, Satchiro, merci beaucoup. Et bientôt au 1300. Photos of Kate Marsh, other Blackwall students. Bon, du coup, Kate, il a un truc chelou avec David. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it. He's so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Even yours? Not anymore. So what do you have on Nathan? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. C'est chiant, ça. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted and he kept flashing bills. Just tell me what happened. Non, mais lui, c'est vraiment la définition du gros con, quoi. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. How much do you owe? $3,000 plus interest. And before I could get a chunk of that from Nathan, he dosed my drink with some shit. God, Chloe. Je pense comment ça stream, I can't believe this. Chloe, I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Faut buter Nathan. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Putain, Chloé, je l'aime trop, moi. Je suis furieuse. I am so furious, I can't even speak. Oh, Maxou. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet.
so we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. Dans la police, on peut rien faire. Le mec, il détient la ville, quoi. Chloe. Not just to you. Good thing you didn't tell anyone. Nathan Prescott better watch his back now. 21 mois. I won't always be there to save you. Merci, you were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like destiny. Ah, je l'aime trop. J'aime trop leur relation. Ils vont se jeter ou quoi là? If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. Ils étaient ensemble, non? This shit pit has taken away everyone I've ever loved. Ouais, tilt. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Oh, le tilt est intense. Petit hologramme. Moi je dis faut suivre la biche. On suit la biche. Is Chloe still up there? Oh là là. Oh là là. Je suis mort. Je prends bobine. Je suis jamais mort. Elle a biche et que des erreurs de. Où la biche? On passe en dessous. On fera le tour. I've never seen a storm like this. Wendigo incoming. Mais on peut pas escalader. Pourriez-vous positionner pour vous téléporter? Ah, tu peux. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord, je comprends. Vas-y, tu remontes le temps et juste tu. Ok, d'accord. C'est comme si tu TP en fait, parce que t'étais déjà là avant, quoi. Donc là, le truc va s'abattre derrière. Ok, c'est bon. Ok, c'est vrai que j'avais oublié ça. En vrai, c'est quand même. Oh, la petite biche. En vrai, c'est quand même assez incroyable, hein, le pouvoir qu'elle a. Hein. Parce qu'elle peut quand même faire ce qu'elle veut. Hein. Là, c'est du dodge. Hein. Oh, là, c'est du jeu de jambes. Hein. Là, c'est du. Hop, il est pas à gauche. Eh, jeu de jambes. Ok, c'est bon, on passe. Je peux courir. Hein. Ouais, super vite, quand même. Oh, my lord! The tornado is back! Ça va finir où ça? Avec un peu d'anticipation. Oh. Journal. Est-ce que je peux vraiment passer avant? Vous pensez qu'on peut passer? Vite. Faut quand même être très confiant. C'est quand même un pouvoir où. Il y a un journal. Est-ce que ça nous donne une date le journal? October 11? Is this Friday? That's only 4 days away. Oh no. Ça, c'est un délire la tempête. The tornado is headed straight for the town. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, I saw it.
I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But high, right? Listen to me. How do you think I saved you? L'autre, elle est deaf. Qu'est-ce que tu veux qu'elle y croit? Reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. Ouais, you don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. Personne ne te croira jamais. Hein. Montre-lui, je sais pas si tu peux. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. C'est notre vidéo game. Eh, c'est pas mal, hein. Honnêtement... Oh, oh, c'est David. Ah, mais David, lui, il a été détruit par la guerre. Voilà, moi, je vous le dis. Oh, c'est Joyce. On l'avait jamais vu encore, Joyce. Kate, Kate, c'est... sa vie, c'est un cauchemar. Si t'as accroché au premier épisode, tu vas sûr kiffer la suite. J'ai bien kiffé... Ah, Jefferson, il est là! Prends une photo, il neige! Il neige, il fait 25 degrés, il y a des belles couleurs, il y a du contraste, il y a un arbre! C'est qui lui? C'est Evan là? Je sais plus comment il s'appelle lui. Il a l'air sympa lui. Rachel. Il y avait Kelly aussi à côté. Je sais pas quoi. Ah, on a fini l'épisode 1 là. Il y en a 5. Je peux déjà continuer juste celui, tu apportes une touche personnelle au top. Bah là, j'avoue que je suis plus. Tu vis plus le truc. Mais putain, c'est pas mal. L'épisode 1 installe tous les prochains vont développer les sentiments des personnages entre eux. Eh, c'est pas mal honnêtement. Moi, je vous propose. J'aime bien, honnêtement, j'aime bien. C'est vrai que c'est comme je vous dis, c'est assez difficile à stream. Oh, ça fait tout ça. Alors, vous avez dénoncé. Ça, c'est les pourcentages, c'est ça? Alors, vous avez dénoncé Nathan. Tout le monde aurait dénoncé la Nathan? Ah ouais, c'est genre, t'as subi un truc, du coup, tu balances, quoi. Alors. Oh, celle-là, c'est tes choix. Vous avez pris une photo de David harcelant Kate. Vous êtes intervenu. Ouais, moi, je suis une petite fouine. Vous avez caché la vérité. Vous n'avez pas laissé Daniel dessiner votre portrait. Oh putain, la vache, ouais, j'ai pas du tout... j'en étais pas là, moi. Vous avez signé la pétition. Vous n'avez pas aidé Alicia. Ah, il y a beaucoup de gens qui ont aidé Alicia. Moi, non. Vous n'avez pas effacé l'ardoise de Kate. Vous avez effacé les injures sur l'ardoise de Kate. Ah, j'avoue, j'aurais pu faire ça. Vous avez arrosé votre plante. Oui. Vous n'avez pas touché au test de grossesse de Donna. Putain, je l'avais pas vu. Il y a des trucs que tu vois pas aussi. Vous n'avez pas touché aux photos de Victoria. Vous n'avez pas écrit sur un camping-car. Bah ouais, aussi. Vous avez sauvé l'oiseau. Il y a des gens, il y a 60% de gens qui laissent crever l'oiseau. Vous n'avez pas cassé la boule à neige de Chloé. Mais pourquoi il ferait ça? Vous n'avez pas laissé de traces. Vous avez lu les dossiers de David. Résultat, ami. C'est trop bien, là tu peux voir. Oh, c'est trop bien! Eh, hey, c'est trop cool! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'épisode 2 ça? Qu'est-ce qui se passe? Bah, elle est morte. Ben voilà, bienvenue! Out of time! On peut continuer. On peut continuer! C'est fini!